Alors salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je dois vous montrer comment effectuer un jailbreak sur Windows. Bon, ici là j'ai un iPhone 6 qui est bloqué sur le compte iCloud. Mais avant de bypasser le compte iCloud qui est à l'intérieur, je dois devoir d'abord faire un jailbreak sur Windows. Donc si vous êtes basé sur les ordinateurs Windows, sachez que la vidéo ci doit vous être très utile. Et pour effectuer cela, vous aurez aussi besoin d'un câble USB et d'une clé USB, donc vous allez booter le logiciel CheckAwan à l'intérieur pour pouvoir démarrer dans votre Windows. Je dois laisser le lien de téléchargement de CheckAwan qui est un logiciel gratuit dans la description de cette vidéo. Ok, de votre côté, vous allez juste connecter votre clé USB sur un port USB de votre machine. Donc ça c'est l'exemple. Moi je dois effectuer le jailbreak là sur mon écran comme ceci. Donc je dois connecter juste ma clé USB. Donc de votre côté, essayez de connecter votre clé USB parce qu'on va démarrer ça pour pouvoir effectuer le jailbreak. Et pour lancer le démarrage, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez même déjà connecter votre iPhone comme si ça ne dérange pas. Vous déposez juste. Vous allez faire comment? Vous allez allumer votre machine comme ceci. Donc moi je dois allumer ma machine en appuyant la touche F12. Pourquoi j'appuie la touche F12? Parce que j'utilise un ordinateur de marque Dell, de marque HP. Et si vous, par exemple, de votre côté, vous utilisez par exemple un ordinateur de marque Dell, vous pouvez utiliser d'autres touches. Donc, vous pouvez aller sur Google, taper le boot key de démarrage de votre ordinateur. Donc, moi, de mon côté, dès que ça arrive à ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenir la touche Alt et la touche F2. Donc, ici là, Alt F2 pour démarrer CheckAwan. Donc, je dois maintenir Alt F2 comme ceci. Ok, dès que l'interface s'affiche, qu'est-ce que vous allez faire? Ne touchez rien sur votre iPhone. Donc, à ce niveau, je peux arrêter mon iPhone comme ceci. Je ne dois rien appuyer sur ça. Vous allez partir dans Option, comme ceci. Déjà, dans Option, je dois vous conseiller d'activer l'option Alert Untest. Vous cliquez sur le bouton Entrer comme ceci. Vous descendez, vous activez le mode Verbose, comme ceci. Vous descendez, vous activez le Skip à 11. Vous faites comme ceci. Vous descendez sur Back. Dès que vous descendez sur Back, vous partez sur le bouton Start, comme moi, et vous cliquez sur OK, comme ceci. À ce niveau, vous cliquez toujours sur Next. Vous allez patienter. Ça doit mettre mon téléphone en mode Recovery. Donc, vous allez patienter de votre côté. Ok, déjà à ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur, regardez, le logiciel indique déjà la procédure à suivre. Il dit que nous allons cliquer sur le bouton d'allumage et le bouton volume moins pour 4 secondes. Donc, ils ont bien écrit ici, mais c'est juste que c'est en anglais. Moi, je traduis en français pour faciliter la tâche. Après avoir maintenu ça pour 4 secondes, vous allez lâcher le bouton d'allumage et continuer à maintenir le bouton volume moins. Donc, je dois maintenir comme vous. Je dois cliquer sur Start comme ceci et maintenir comme ceci. Ok, après, quand c'est fini, quand les 4 secondes finissent, je continue à maintenir le bouton volume moins. Donc, vous allez patienter. Ok, je peux lâcher le bouton volume moins comme ceci. Ça, j'ai lancé le jailbreak. Vous allez patienter aussi de votre côté. Dès que nous allons finir le jailbreak, nous allons effectuer un bypass avec le logiciel UnlockTool qui n'est pas un logiciel gratuit. Donc, si vous voulez activer une licence UnlockTool, vous pouvez me contacter directement sur mon numéro WhatsApp qui est sur votre écran pour que je vous montre comment vous allez faire pour pouvoir effectuer le bypass simplement. Ok, vous allez aussi patienter de votre côté. Ok, bientôt, dès que ça sera terminé, ça va mettre le message All Done. Quand ça met le message All Done, ça veut dire que le jailbreak a été effectué avec succès. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je dois juste déconnecter comme ceci. Je dois maintenant partir sur un autre PC pour bypass de mon iPhone dans le bypass du compte iCloud avec le logiciel UnlockTool. Ok les amis, déjà dans notre logiciel UnlockTool comme ceci, comme je l'ai dit tantôt, ça c'est un logiciel très puissant qui débloque les téléphones que ce soit Android ou iPhone. Mais aujourd'hui nous allons nous attarder sur l'option Apple. Donc vous allez cliquer sur l'option Apple comme ceci quand vous allez activer pour vous de licence. Vous allez cliquer sur l'option Apple comme moi et vous allez partir sur Yellow Screen parce que mon téléphone est bloqué sur l'écran Yellow Screen. Si c'était bloqué, c'était un iPhone bloqué sur mot de passe, vous deviez aller sur passcode et ça devait effectuer un déblocage avec réseau, n'est-ce pas? Déjà à ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez rien à toucher sur votre iPhone. Vous allez juste venir bypasser ça en un seul clic. Vous allez cliquer sur Untethered Bypass. Et ça va directement lancer le bypass de notre iPhone. Regardez, je dois cliquer comme ceci.
Dès que je clique comme ceci, vous allez patienter. Ok, déjà à ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appuyer sur 8 sur votre écran. Moi, je dois appuyer sur 8 comme ceci. Bon, vous allez patienter. C'est en train de bypasser mon iPhone. Et quand ça va finir le bypass, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste paramétrer le téléphone pour avoir accès à mes applications. À ce niveau, on vous dit « May bypass sources. Do you want to fix notification? » Je dois cliquer sur « Yes ». Ok. Donc, vous allez patienter. Je ne dois rien manipuler sur mon iPhone. Donc, de votre côté, vous n'allez rien manipuler sur ça. Ok, vous voyez comme l'iPhone se démarre seul et s'éteint seul. Donc, je ne manipule rien sur ça. Vous voyez, initializing, ok. Vous patientez. Donc, regardez bien les actions que le logiciel effectue. Ça, c'est la partie où vous allez regarder le travail que le logiciel est en train d'effectuer. Ok. Quand ça met le message, ça veut dire que l'iPhone a été bypassé avec succès. Vous voyez, on a mis le temps de bypass, ça a mis 30 secondes. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois juste cliquer sur le bouton Home comme ceci. Je dois cliquer sur Continuer comme ceci. On dit Configurer touche ID. Je mets sur Non. Ne pas utiliser. Ok, à ce niveau, on dit Option de code. Je dois dire Ne pas utiliser le code. Ne pas utiliser le code. Ok, on dit continuer. Démarrer. Ok, vous voyez les amis, l'iPhone a été bypassé avec succès. Donc, si vous êtes encore nouveau dans la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, puis activez la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications. Vous voyez la puissance du logiciel Unlock Tool. Donc, si vous voulez activer la licence de votre logiciel, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Je dois vous donner la procédure et vous allez ainsi bénéficier des vidéos d'utilisation de ce logiciel de façon complète parce que je dois expliquer toutes les options que vous voyez dans le logiciel comme ici. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.